Mobilisation après une nouvelle journée de violence à Paris. La presse européenne s'est largement intéressée au mouvement des Gilets jaunes. Les scènes de chaos surprennent la presse étrangère, et les images de violence dans la capitale font également la une de leurs journaux. La presse internationale a décrit avec des titres forts les affrontements et les voitures enflammées survenues à Paris, après une nouvelle journée de mobilisation des Gilets jaunes. En Angleterre, le Sunday Telegraph évoque Paris qui brûle, avec des émeutes et une photo saisissante. Avec un cliché au centre de son journal, l'hebdomadaire The Sunday Times se concentre sur les casseurs qui font monter la température. Des scènes de chaos point de l'autre côté des Alpes, en Italie. Le quotidien La Repubblica parle de scènes de guérilla anti-Macron en plein Paris. Du côté de l'Espagne, El País évoque un sentiment de perte de contrôle inhabituel à Paris, avec la révolte des Gilets jaunes, qui sème le chaos dans la capitale française.